J'ai vu une jeune femme qu'on appelait Maggie. Woman called Maggie. Hein? Qui était une amie à vous. That was a friend of yours. Vérité. Elle est où maintenant? Where is she now? Elle a un guapa. On l'appelle comment? Maggie. On l'appelle comment? Maggie. D'accord. J'ai parlé d'une femme tout à l'heure. J'ai dit qu'on la menait chez une guérisseuse qu'on appelait Salamato. Salamato, c'est ça, n'est-ce pas? D'accord. Donc si elle est là, je vous ai prié avec elle. Qui allait chez Salamato? Venez. Comme, non, yo, comme. Venez, vous, venez. Comme vos prophéties. Venez pour la prophétie. Madame, vous, on vous a amené chez qui? Salamato. Hein? Salamato. Qui vous a amené là-bas? C'était une amie. Ok. Fine. Mettez-vous comme ça. Come here for prophecy. Venez ici pour la prophétie. Stop. Arrêtez-vous. C'est votre ancienne fois de venir ici. How long have you come here? Je suis là depuis 6 mois. Depuis 6 mois. 6 months. D'accord. Fine. J'ai déjà causé avec vous. Have I shared with you already? Non, daddy, non. Mais vous m'avez déjà appelé pour la même dame. Mais après, il y a eu le monsieur de Orange qui avait été, vous avez donc la prophétie a été détournée. Attendez. Wait. Donc vous avez subi un détournement prophétique. Oui, daddy. Donc vous revendiquez, vous portez plainte, vous revendiquez que justice soit rendue. Oui, daddy. D'accord. C'était la nuit des flammes du mois d'août. Et qu'est-ce que j'avais dit? Il y avait un couple qui ne réagissait pas bien à la prophétie. Il était toujours sur le côté comme aujourd'hui. Alors comme le couple ne réagissait pas, vous êtes fâchés. Vous êtes allé là-bas, il y avait un monsieur qui travaillait à Orange. Oui. Et qui avait été paralysé par ses collègues jaloux de lui. Oui. Vous avez géré les malades, vous n'êtes plus revenu, vous êtes resté ici. Et ma prophétie a été détournée. Et vous, je vous avais appelé que quoi? Vous avez appelé une dame qui allait chez une voyante au nom de Salamato. Ah bon? Oui, daddy. D'accord. Fine. Justice sera rendue. Shall be given back. Réparation sera faite ce soir. Amen. Dieu Amen. Se souvient de vous aujourd'hui. Amen. Vous me suivez? Oui, Dieu David. Vous aime. Amen. Le Seigneur vous aime tellement. Est-ce que je peux prier avec vous? Can vous me permettez de prier avec oui, vous? Oui, Daddy. Vous êtes avec qui ici? Je suis seul. Vous êtes seul. Ok. La femme, si les visions que je commence à voir sur elle sont difficiles à expliquer. J'ai commencé à vous voir. Le Seigneur m'a dit, vous êtes en train de traverser une période très difficile de votre vie. Vérité. Une période d'abandon. Où vous êtes abandonné. Vous sortez d'une grosse rupture. D'une grosse déception sentimentale. Hein? Sortez d'une grosse déception sentimentale. Ça, c'était un peu comme vous vous disiez, à cette fois-ci, je veux me reposer, je ne veux plus continuer les guerres sentimentales, je veux m'arrêter ici, et je dépose mon sac ici, ma vie, c'est ici que je vais l'établir. Je ne voudrais plus courir à gauche ou à droite. Hein? L'Esprit de Dieu m'a montré quelque chose. Je dois prier pour vous parce que il y a beaucoup de choses dans lesquelles vous vous êtes engagé qui n'étaient pas bonnes. À cause des mauvaises amitiés. Vous êtes retrouvé à faire des choses qui ne sont pas bonnes. En fait. Des choses pour lesquelles je ne voudrais pas, sur lesquelles je ne voudrais pas m'attarder. Parce qu'elles ne sont pas bonnes. Quand je vous vois, je pense à Marie-Madeleine. Je pense à cette femme qui a crié à Christ, Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, sauve-moi. Vous voyez, regardez. Je vous ai vu et j'ai vu quelqu'un qui a besoin d'aide et de pardon de la part de Dieu à cause des péchés de sa jeunesse, à cause de ses erreurs. Vérité. Et j'ai vu une jeune femme qu'on appelait Maggie. Hein? Qui était une amie à vous. Vérité. Elle est où maintenant? Elle a un guapa. On l'appelle comment? Maggie. On l'appelle comment? Maggie. D'accord. La fille ici, this girl, votre amie ici,
this your friend. Elle vous a entraîné dans de mauvaises choses. Elle vous a mené loin. She took you very far. Elle vous a montré une mauvaise chose. She showed you a wrong way. Elle a été cause de beaucoup de malheur dans votre vie à cause de ce qu'elle est because of what she is. Et qu'elle vous a partagé. And what she shared with you. Et ma prière aujourd'hui pour and vous prayer today for you, c'est que is that le sang de Christ parle of Christ en votre speak favor. On your behalf. Amen. Le sang de Jésus the parle. Blood of Jesus. Parce que j'ai entendu des femmes crier. Women shouting. Des femmes crier. Women shouting. Des femmes crier. Women shouting. À cause de vos erreurs. Because of your mistakes. Crier dans leur foyer. In their homes. Et le Seigneur m'a dit seul le sang de l'agneau the blood of the peut mettre fin. Can put an end. Ce qui vous a sauvé, vous avez marché trop chez les marabouts. Ce qui vous a sauvé, c'est votre cœur, l'innocence de votre cœur. On vous a traîné dans beaucoup de choses. Est-ce que vous me suivez, madame? Oui, Daddy, je vous suis. C'est quoi, vous êtes perdu? Non, non. Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis choqué. Vous êtes choqué? Non, non, non. On n'a pas commencé. Regardez. Zramina ou dolto minta ou dalika wa anna adrosta vros. L'Esprit de Dieu m'a amené et j'ai vu un événement dans votre vie. Allez, vous avez une amie qu'on appelait Sophie. Hein? Il y avait une amie à vous qu'on appelait Sophie. Et la jeune fille ici, elle faisait aussi dans l'esthétique. Et la jeune femme ici, elle vous a entraîné où il ne fallait pas. Je parle de maraboutage. Je parle de maraboutage. Elle vous a amené chez un marabout. Et quand elle vous a amené chez le marabout, vous êtes arrivé, elle vous a expliqué que non, tu vois ma chérie, les choses que tu vis maintenant, les déceptions amoureuses, tu te sens toujours abandonné, toujours trahi, tout ça. Je connais quelqu'un qui a fait un travail sur moi. Et s'il fait le travail sur toi, tu vas voir, ta vie va commencer à donner. Comme moi aussi ma vie, tu vois que ça commence à donner là. Elle vous a prise, elle vous a amené, elle vous a amené chez ce marabout. Elle vous a amené chez le marabout et le marabout devrait travailler sur vous. Quand vous êtes arrivé, il devrait travailler sur vous. Et à l'époque, vous étiez en train de traverser une période sentimentale très compliquée. Une période compliquée, période de déception sentimentale. Il y avait toujours une déchirure avec un jeune homme. Avec un jeune homme. With a young man. Oh. Jesus. Oh là là. Et vous êtes arrivé. Elle vous a amené chez le marabout. Et le marabout vous a dit non, dans ton problème, si c'est très sérieux, on doit te laver. On doit te purifier. Il faut qu'on purifie. Et vous avez dit au marabout. J'avais dit à Sophie que mais je n'étais pas prête pour ça. Vérité, Daddy. Parce qu'à cette époque, il y avait un problème avec un jeune homme qu'on appelait Alain, qui était un ami à vous. Et vous étiez en train de vous séparer. Parce que vous avez votre ami qu'on appelait Madeleine, qui était comme votre soeur. Et Alain vous a abandonné sans rien vous expliquer. Et je vous donne la raison aujourd'hui à cause de votre soeur, amie, Madeleine, qui par derrière a détourné le cœur d'Alain et lui a dit que vous n'êtes pas une femme sérieuse. Et Alain a cru et elle a séduit son cœur. C'est à cette époque que Sophie vous amène chez le marabout. Et vous dites à Sophie, non mais je n'étais pas prête pour ça et tu ne m'avais pas dit ça. Donc je ne peux pas le faire maintenant, je vais d'abord rentrer et je verrai si je vais revenir. Et vous avez refusé d'être lavé. Vérité, et vous êtes quitté et vous êtes rentré. C'est ça? Oui, Daddy. Maintenant regardez. Ce jour, vous avez été sauvé. Pourquoi? Parce que l'ange de Dieu vous a délivré. Parce que Sophie ne vous amenait pas chez son marabout pour vous faire du bien. Mais parce qu'on lui avait demandé quelqu'un qui devrait venir pour elle-même, ses affaires, pour sa prospérité. Et si on vous avait lavé, la malchance de Sophie serait transférée sur vous. C'est l'ange de Dieu qui vous a sorti de là. Amen. Ce n'était pas vous-même. Maintenant, vous regardez cette fille. Est-ce que Dieu peut la bénir? Hein? Qui croit en ça? Qui croit que si je prophétise sur elle,
Voulez-vous marier? You want to get married? Oui, daddy. Voulez-vous marier? You want to get married? Dieu vous donne du repos. Est-ce qu'on peut prier pour qu'elle se marie? Oh là là, oh là là. Tendons la main sur elle. Père, Father, donne-lui un mariage heureux, marriage, un mariage joyeux. Happy wedding. Au nom souverain de Jésus, que ta grâce soit dans sa vie, dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Levez-vous un peu, maman. Le papier là, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est quoi? Seigneur, ce soir, je me sépare de l'esprit de rejet sentimental. Au nom puissant de Jésus, je déclare mon mariage avec... Scellé au nom puissant de Jésus. Je me sépare du célibat ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Allez, que Dieu vous exauce. Amen, merci daddy. Posez le sujet là à l'autel. Priez et vous allez vous asseoir. Dieu vous exauce. Il vous accorde le désir de votre cœur. Je déclare toi aussi que le Seigneur t'exauce.